Arena. Ils ont lâché qu'un point, je pense, c'était Skopje contre Vardar. Ils sont imposés chez nous à Carpentier. À championnat, ils gagnent tout le monde de plus de 10 buts. Ils sont favoris numéro 1 pour gagner la Ligue des Champions. C'est une grosse équipe, c'est une grosse armada, c'est une équipe de champions. Donc on sait que tous les matchs vont être difficiles, compliqués. Mais bon. Après, nous, on connaît nos capacités, on sait s'adapter aux équipes qu'on a en face de nous. Barcelone, ça m'évoque un grand club, omnisport déjà, et une grosse équipe de handball qui a souvent trusté les premières places, qui a même déjà gagné la Ligue des Champions. Donc avant ce match-là, bien sûr, on sait qu'on va être très attendu chez eux, et pour moi c'est très excitant de pouvoir jouer ce genre de match-là. On s'entraîne pour ça, on va jouer contre des grands joueurs. En plus, j'ai mon pote Sergio Rendo qui va être en face, donc c'est souvent assez particulier. Ça m'évoque une équipe très difficile à battre, une équipe favori pour la Ligue des Champions. Et ça m'évoque surtout un match qui sera prestigieux et dans lequel on aura envie de faire le mieux possible, d'essayer de gagner. On sait que ça va être dur, mais voilà, il faut qu'on joue ce match-là sans pression. C'est un match qui, pour eux et pour nous, ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc non, voilà, ça va être un beau match d'handball et il faudra qu'on se fasse plaisir. Pour moi, toujours, c'était un match spécial de jouer contre Barcelone. Dès que j'ai commencé à jouer quand j'étais jeune à Granollers, tous les matchs Granollers-Barcelone, c'était spécial. Et pour moi, toujours, c'était comme ça. Non? Et en plus, maintenant, c'est la première fois que j'ai joué contre Barcelone à Champions League. Et l'ambiance de Palau Blaugrana sera incroyable. Non? Pour ça, on va essayer de faire un gros match.